with my fucking team. I said I'm sipping on my lean, and I'm with my fucking team. Sipping on my lean, and I'm sipping on my lean, and I'm sipping on my lean, and I'm with my fucking team. Sipping on my lean. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va présenter une Honda Civic, mais vraiment à l'ancienne. Elle a 21 ans. Elle est d'une couleur j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, c'est la première fois. En plus, c'est d'origine. Donc franchement, c'est super joli. L'AS7 est vendue. C'est pas un mythe, elle est vendue. J'ai acheté ma nouvelle voiture. Certains savent ce que c'est, d'autres pas. Vous inquiétez pas, la vidéo de présentation arrive dimanche prochain, je pense. Et bien plus énervé que la S7. Et surtout avec... je sais pas trop comment dire, mais vous verrez lors de la présentation. Donc on va se retrouver devant le véhicule. Abonnez-vous, on a enfin passé les 3000 abonnés, c'est super cool. Maintenant il faut continuer sur cette lancée-là. Et puis pourvu que ça dure. Voilà, et ben on se retrouve devant le véhicule. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking. Et ben nous revoilà devant le véhicule. Et ben du coup je t'écoute pour nous expliquer un petit peu. Donc elle est de quelle année? Alors c'est une Civic de fin 2000. Enfin plutôt mi-2000 en fait, c'est une 6ème génération. Pour ceux qui sont passionnés, le code c'est EJ9. Donc à l'intérieur c'est un petit 24 90 chevaux de Honda, il n'y a pas de VTEC. C'est tout le temps les pleines cam pour ceux qui veulent savoir. Ok. Donc il n'y a pas de système éco puis VTEC qui pousse à fond, c'est tout le temps, j'ai tout le couple tout le temps. Donc moi j'aime bien, c'est en daily. Donc vous verrez sûrement après qu'elle fait un peu de bruit en daily, mais ouais, c'est chaud. Pour le daily, c'est chaud. Ouais. Du coup, les jantes, elles sont d'origine ou pas? Alors non, les jantes ne sont pas d'origine. C'est pas moi qui les ai posées, c'est l'ancien propriétaire. Et franchement, j'aime bien parce que le blanc, il va bien avec la couleur. Ouais. Et puis, elle ressemble vachement aux jantes des Tipper aussi. Des mêmes ouais, c'est vrai. Les EK9. Donc ça, c'est ton Insta. C'est ça, celui spécial du véhicule. Et donc la couleur, parle-nous-en un petit peu. Alors la couleur, elle s'appelle Aquamint Blue. C'est une couleur relativement rare, honnêtement. Surtout sur des Civic comme ça, donc phase 2. D'origine la couleur hein. Ah oui, d'origine. Elle est d'origine, elle a 21 ans, comme la voiture. 21 ans et elle brille encore. Franchement, moi je ne vois pas de micro-rayures. Après, je suis sûr que si tu regardes vraiment, ouais, il y en a. Ouais, si tu regardes, t'en verras. Mais... je trouve qu'elle présente bien pour 21 ans. Ouais, voilà, il y a des défauts, c'est vrai. Même pareil, je l'utilise en daily, donc oui, il y a des défauts. Mais c'est vrai que j'essaie d'en prendre soin. Puis là, elle sort du lavage, donc c'est assez flatteur, c'est vrai. Ouais, donc elle est belle. c'est mon petit bijou, voilà. Donc les plaques, tu vas les passer en plaques US, tu m'as dit. Ah, parce que de base, elle avait des plaques US, du coup. Alors, de base, les Civic, c'est des supports plaques US, en fait. Ok. On peut voir malheureusement ça qui dépasse. C'est des Civic, c'est des supports plaques US et après pour le marché européen tout ça ils ont mis des plaques classiques comme chez nous on a l'habitude de voir. Mais les supports existent encore donc théoriquement c'est toléré que je les ai et puis même le pire c'est esthétique, je vais remettre les mêmes informations que normalement ça passe la plupart du temps. Ça dépend sur qui tu tombes, tu vois. Oui, c'est sûr. Si tu roules à 90 au lieu de 50, il est possible que ça ne passe pas. Ah ouais, effectivement. Du coup, pour la ligne d'échappement, qu'est-ce que tu as fait? Parce que vous allez voir, le bruit, il est... t'as abusé, ligne, en fait. C'est une full inox. Et pourtant, j'ai encore silencieux intermédiaire et silencieux au bout. De base, j'avais une chicane. Mais finalement, même retirer la chicane, ça n'a pas changé des masses. Ouais. Parce qu'elle fait déjà un bruit... ça reste des Civic. Hein. On vous dira beaucoup que ça fait plus de bruit que celle avance.
Bah après, ça avance quand même parce que c'est léger. Ouais, c'est léger. C'est léger. Quand on est arrivé ici, moi j'ai vu quand même. Ça avance quand même. Après, oui, bah, c'est 90 chevaux. Après, ouais. si tu peux nous ouvrir le moteur, qu'on regarde un peu. Tu vois ce que tu me disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de place, c'est ça hein? Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de place. Du coup, moi, avec même l'aide des collègues qui s'y connaissent un peu mieux et tout ça, on s'occupe de. Tu peux bricoler un petit peu, quoi. Ah, bah, y a de la place. Ah, oui, effectivement. Oh putain, ouais. Ah, tu peux limite rentrer à V8 là-dedans. Bah ouais, il y a de la place. Bah après, c'est censé accueillir des moteurs plus gros, genre un 8-6 de chez Honda aussi. Mais honnêtement, ouais, il y a de la place. Ouais, pour swap les moteurs et tout ça, il y a énormément de place. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des prépas turbo aussi. Je veux dire, au collecteur, t'as la place de foutre ton turbo directement là et tout. À ceux qui osent dire il y a pas de place pour bosser, ouais, voilà. Là tu fais ce que là, tu veux. Là, c'est bien. Là. Ah bah là, oui, là t'es tranquille. Je pense qu'il y avait un moteur un peu crade, je vais pas laver non plus. Ouais, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais sinon, voilà, il est d'origine. Enfin, j'ai enlevé le résonateur, mais ça c'est rien. C'est quoi ça? Pourquoi t'as enlevé ça du coup? C'était pour faire plus de bruit. Enfin, c'était de base surtout pour voir si ça changeait vraiment quelque chose. Mais vu qu'il faisait déjà tellement de bruit, ça changeait pas grand chose. Donc je me suis dit, bon, faut un Serflex, il est chez moi le résonateur. Mais sinon, à part ça, ouais, bah, la ligne en inox qui part juste après le collecteur. Ouais, qui part de là du coup. Non, en dessous. Ouais, je l'avais pas, ok. Ouais, t'arriveras pas. Bah, vu comme elle est basse en plus de ça, je pense que tu peux montrer aux gens, elle est sur ressort court. Ouais, ça c'est vrai qu'elle est. Je saurais pas dire. Elle est, mais au niveau elle de la est hauteur. Hyper. Du coup, ça lui fait un petit camber aussi à l'avant et un tout petit peu à l'arrière. Ressort court. Bah, finalement, qu'on voit très peu, ils sont rouges, mais bon. Ouais, tu l'as monté sur ressort court. Oh non, on les voit pas, non. Je pense qu'à l'arrière, tu les verras peut-être mieux. Ouais, tu les verras peut-être mieux, mais. Ah oui, on les voit après, un petit peu. Relatif. Ok. Alors là, ça reste des tambours à l'arrière parce que voilà, c'est 90. Honnêtement, finalement, avoir des disques à l'avant et des tambours à l'arrière pour ça suffit. Qui pèse à peu plus d'une tonne, ça va. Honnêtement, ouais. Et l'intérieur, j'ai vu qu'aussi il était super propre. Ça me permet d'ouvrir. Ouais, tu peux. Bah, pareil, c'est... intérieur d'origine. Bon, j'ai pas encore nettoyé. C'est vrai, regarde, c'est même les sièges, tu vois, t'as pas une trace de cigarette, t'as rien. Franchement, ouais, c'est. Ouais, c'est un véhicule non fumeur. Enfin là, j'ai le pommeau d'origine, j'ai le volant d'origine. C'est vrai que c'est rare sur les Civic. Ah ouais, oui, souvent ouais, bon, il y en a plein qui mettent des volants custom et compagnie. Et t'as l'extincteur, ce que tu m'as dit, l'extincteur Honda, tu m'as dit c'est. Bah, en fait, c'est une import belge. Ok. Du coup, je pense que c'est en relation avec ça. Donc toi, tu l'as acheté en Belgique. Non, je l'ai pas acheté en Belgique. En fait, elle a été importée. Alors, c'est pas par l'ancien proprio, c'est celui d'avant. Elle a été importée. Honnêtement, je ne saurais pas dire combien de proprio elle a et je ne saurais pas dire quel proprio c'est a fait. C'est compliqué. Mais, 21 ans, la voiture, mais c'est vu compliqué. L'état, je sais que. Enfin, je me dis que l'ensemble des proprios, ils en ont pris. À mon avis, elle a eu que des passionnés. Ça c'est vrai. Je pense qu'elle a eu que des passionnés parce que du coup, tu as 160 000 km ouais, à peu près. 160 000, t'arrives à 160 000 et donc du coup, si on peut parler un peu budget, toi tu l'as acheté comme ça, qu'est-ce que tu as fait dessus en fait? J'ai relevé le béquet, comme il y en a qui font beaucoup. Parce que de base, ça coupe droit. Ouais, et t'as fait ça comment? Bah, c'est des cales qu'il faut mettre, non? Non, c'est en gros, tu ouvres le coffre et t'as des vis dedans, tu les sors. Et en gros, moi j'ai mis des silent blocks en fait, juste pour augmenter. Ah d'accord, gros, ok. C'est à la blaine, mais... Ok. Et du coup, ça relève un peu, ça fait plus. Ouais. Donc, ça, c'est ce que tu as fait, toi. Voilà. Moi, à part ça, si j'ai enlevé la chicane qui était malheureusement complètement morte et rouillée. Ok. Parce qu'elle n'était pas dans le même matériau que le reste. Et sinon, ouais, enlever le résonateur. Après, j'ai fait un gros entretien. Là, ça fait actuellement 3 mois. On est en janvier 2022. Et ouais, ça fait 3 mois. Ok. Et au niveau du budget, du coup, on peut en parler? Ouais, on peut en parler. Moi, je l'ai acheté 3 450 euros. Ok. Dans l'état, avec 150 000 à peu près, un peu plus. Alors, ouais, il y en a qui vont dire que ça paraît un peu cher pour une Civic, mais honnêtement, vu l'état. Bah, franchement, pour l'état, sincèrement, parce que des Civic, t'en vois plein, mais la plupart, elles sont démolies. Hein. Ouais, elles ça. Sont dans des états. Et toi, elle est personnalisée, mais ils sont restés dans le sobre. Et quasi tout est réversible, tu vois. Ah oui, bah on retrouve une ligne d'origine, on retrouve des jantes d'origine, des jantes tôles. Enfin, tu remontes des ressorts. Oui, en soi, c'est tout du réversible. Il y a pas à dire. Après, voilà, elle est presque pas attaquée par la rouille au niveau des ailes, qui est franchement une maladie chez les Civic. Ouais. Et alors c'est surtout au niveau des ailes arrière, quoi. Que ça attaque généralement. Mais pour le peu de bornes, puis le fait que ce soit une phase 2. Ça, tu peux voir que ça commence doucement mais sûrement. Ouais, mais donc il faut que j'y traite prochainement. Faut que tu le fasses, ouais, parce que ce serait con de devoir te faire taper une porte. Voilà.
Et ça, c'est une voiture que tu comptes garder, toi? Ouais. Bah oui, c'est mon daily, mais je la bichonne et je la garde okay. en daily, quoi. Parce que vous allez voir, du coup, qu'avec le bruit que ça fait en daily, franchement, il faut... Ouais, est-ce que tu as des passagers, des fois? Oui, oui. Ouais. Parce qu'il il a carrément des boules caisses. Il a carrément des boules caisses sur l'auto, pour l'autoroute. Ouais, pour l'autoroute, pour les trajets où la vitesse est maintenue, ça fait vite des acouphènes, ouais. malheureusement, parce ouais. que ça résonne. Ah bah oui, caisses, oui. Ça fait une pas belle des masses isolées, quoi. Donc finalement, la ligne par en dessous, elle fait résonner tout le châssis. Ok. Mais ouais, franchement, c'est mignon. Et ben... Les sensations que ça fait d'être collé au sol et d'avoir la ligne qui vibre autant, bah... Oui, 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 tu ressens le moteur, tu ressens qu'elle a 20 ans, et puis ouais, voilà. C'est plus comme tu es dans les canapés. Voilà, tu es dans un canapé, tu es tranquille, et puis, puis tu es à 190 et tu as l'impression d'être à 50. Ouais, c'est ça. Et ben, on va faire des petites images, et puis ben, je vous laisserai sur ça, puis on ira faire un petit tour avec. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Il y a des rêves. Ce serait peut-être une Supreme K4. Et si vraiment, enfin, le rêve ultime, ce serait la Lexus LFA. Ok. Pour le son. Ouais, donc toi, c'est t'es full Jap et rien d'autre. Ouais, Jap, bah, honnêtement, moi j'aime bien. Après, de base, je suis Team Atmo. Ouais. Qui vont critiquer la Supreme K4, tu fais un gros turbo, ça marche. Enfin, le turbo de base, il marche déjà très fort. Mais c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est japonais qui prend des tours. Ok. Parce que pour moi, c'est un peu la physiologie que j'ai en tête. T'as beau avoir un Ali 490 chevaux, moi je vais le pousser entre 6 et 7 000 tout le temps. Quoi. Ouais, ah bah oui, je veux dire, j'ai bien vu. Pour moi, c'est ça. Il y en a qui vont dire, comme je l'ai déjà dit avant, que ça gueule plus que ça n'avance. Mais bon, voilà, t'as toutes les sensations parce que t'es collé au châssis, tu fais un bruit d'enfer et tout ça. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. De toute façon, tu ne cherches pas le même ressenti. C'est ça, voilà. Moi, je l'ai dans les sensations, quoi. Voilà, c'est pas grave si j'ai un petit moteur. C'est pas grave si, pour moi,
moi, c'est pas grave si t'as un mazout, c'est pas grave si t'as un petit moteur, c'est pas grave si tout le monde a de la passion de la sportivité et des sensations, c'est la même. C'est ça, chacun a sa définition de ce qu'il aime. Hein. Chacun a sa définition, mais pour moi, la passion, elle peut être partout, quoi, quel que soit le style que tu kiffes. Quoi. C'est comme quelle que soit ta motorisation. C'est ça, c'est comme il y en a, ils mettent tout dans l'esthétique, rien dans le moteur. Bon, bah ça se faisait beaucoup en 2000, ouais, les époques 2010. Ça, c'était vraiment la folie. Les porte-papillons, les gros ailerons et tout ça, mais ces gens-là, bon, en fait, c'est juste ils ont leur définition à eux, tu vois. Comme toi, t'as ta définition à toi de, t'aimes, ouais, prends par là, ouais. T'as ta définition de, t'aimes bien, voilà, t'as pas besoin d'avoir un gros moteur pour t'amuser, quoi. Ah oui, bah c'est clair. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant, tout à l'heure, il a claqué une 2, je l'ai pas vu venir du tout, quoi. Ah oui, bah ça c'est les joies des japonaises qui prennent des tours. Ouais. Moi, voilà, là par exemple, je suis Thomas 5ème, je cruise à 60 parce que c'est un allée de 4, machin, ça je peux descendre pas. Et imaginons, j'ai envie de m'amuser, je prends ma 5, je rentre une 2. Oh. Et après, ouais. Bah, je suis tout. Ouais, pour un 90 chevaux, ouais. Ouais, la claque qu'on a pris là. Ouais, donc voilà, tu peux quand même t'amuser quoi. Ouais, bah, en gros, c'est ton bouton Sport Plus là. Exactement, c'est voilà, ça. C'est ton bouton Sport Plus là que tu vas mettre. Voilà. Mais c'est impressionnant. Et en vrai, c'est quand même fiable parce que vu ce que tu lui mets, ouais. Elle bronche pas la voiture. Hein. Bah, elle a même pas chauffé et tout. Enfin, je veux dire, y a que la conso quoi, par contre. Même pas. Même pas. Même pas. Ok. Même pas. Comme je t'ai dit, la plupart de mes déplacements en ce moment, c'est du rassemblement. Ouais. Donc, c'est pas du daily machin. Donc, je suis très souvent avec des gens et on fait des cons. Et... Tout droit, ouais. On fera des voilà. Mais avec, donc on va dire une conduite pas éco, on va dire une conduite dynamique et voire sport tout le temps, je tourne entre 7 et 8 litres. Ça. C'est peu, hein. C'est très peu. Bah, c'est peu, hein. Ça reste un Avid 4, ça reste un moteur simple, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de suralimentation, il n'y a pas de compresseur, ça reste un Atmos, ça coûte tout un peu plus quand c'est dans les tours. Mais honnêtement, j'ai fait des. Je sais pas où je vais, là tu fais demi-tour, totalement demi-tour. Ok. Je veux dire, comment je peux dire ça? Ça m'est déjà arrivé de faire sur des pleins très. On va dire très éco, c'est-à-dire juste de l'autoroute à 130. Mais c'est l'idée quoi. Genre je reste, ça m'arrive à faire 700 bornes d'autonomie quoi. Et quand je tire dedans, bah je descends aller à 500, mais c'est très rare que je descende en dessous de 500 ouais. Avec que je dise pas de conneries, 45 litres je crois. Donc concrètement ouais 7 à 8 litres au 100. Ouais, ça reste quand même très raisonnable. Ouais, je comprends du coup que tu veuilles pas la passer à l'éthanol parce que finalement bah en fait ça vaut presque pas le coup. Ça vaut presque pas le coup honnêtement. Puis en vrai pour les frais engagés, ce serait moche de. Bah, tu mettrais du temps à rentrer dans tes frais. Ouais, mais aussi pour le fait de dénaturer la voiture ouais. En la passant à l'éthanol. Ouais. Honnêtement, je préfère la garder comme ça. Je veux dire tout ce que j'ai fait dessus, ouais. C'est du réversible. Je remets des jantes tôles si je veux, je la remets sur le sort d'origine, je remets une ligne. Ouais, tu la remets d'origine. Je peux la remettre d'origine quoi. Ok. Même si toi, c'est de la garder. Ouais, non, moi c'est de la garder, c'est clair. Mais si. Mais c'est l'idée que ce que j'ai fait c'est réversible et ce que je ferai encore dessus c'est réversible. Je veux pas non plus forcer dans le truc et tout. Si je veux faire des projets plus fous, j'en ferai des projets plus fous. Mais non, là c'est franchement c'est le daily rêvé. Ok. Pour moi, même à l'heure d'aujourd'hui qui suis photographe automobile et qui elle fait un peu plus de bruit et peut-être que je reprendrai une chicane. Ouais. Mais pour moi, bah, c'est le daily qu'il me faut. Je suis grand, je fais pas loin de 2 mètres, mais mes jambes, je peux les tendre super loin devant. Je peux m'amuser à rentrer une 2 si je veux m'amuser. Là, bon, on est en 5ème, bon, ça résonne un peu, mais là, ouais. Nous sommes que dalle, je touche à peine la pédale. Et... Non, honnêtement, je ressens toutes les sensations de la route. Je suis sur ressort court et pas sur commune fité, donc j'ai encore. Mais moi ce qui m'impressionne quand même c'est que déjà tu consommes pas trop ouais. Bon elle fait un bruit par contre franchement wow. Le temps que ça monte voilà. Elle fait moins de bruit quand elle est dans les tours quand même. Ouais. Mais c'est parce que ça résonne moins.
japonaise, honnêtement, ça marche dans les tours. J'ai pas de couple en bas, mais j'ai tout en haut en fait. Ouais. Ça c'est. Mais c'est bien, tu vois, c'est. Et... Ça reste un Avis 4, donc faut se dire que sur les ce genre de Civic, mais plus gros moteur, tu peux prendre des tours à n'en plus finir, tu peux en prendre jusqu'à 9000 tours. Là, c'est un Avis 4 Eco qui prend déjà 7300, 7400. Pour un Avis 4, c'est énorme. Pour un Avis 4, c'est déjà c'est énorme. Du coup, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir avec cette magnifique Honda. Et puis, abonnez-vous, c'est important. Je vous le dis tout le temps maintenant. Hein. Abonnez-vous, c'est important. Et puis, si vous souhaitez présenter votre voiture sur ma chaîne, et ben, ce sera avec plaisir. Contactez-moi. Il y a l'adresse mail qui est dans la description. Et je vous dis à bientôt. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sippin' on my lean and I'm with my fucking team. Sippin' on my lean and I'm sippin' on my lean. Sippin' on my lean.